Match là, c'est vendredi pour Haïti. Vendredi 17, 7h du soir pour Mungi Haïti. Mais pour Auckland, la Nouvelle-Zélande, c'est 18 la pied. Parce que nous avons 18 temps d'avance sur nous. Et ça fait déjà là, nous avons déjà dans vendredi, pendant que nous-mêmes en Haïti, on a jeudi toujours. Ok, demain c'est samedi pour yo. Et puis nous même n'avons pas un petit temps, c'est pour nous comprendre ça. Et quitter les programmations pour demain soir, alors pour vendredi soir à 8h du soir. Oui, à 8h. Pendant que pour ici là, c'est là, déjà samedi. C'est ça la différence. Voilà, et bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité à notre page Facebook Fédération Haïtienne de Football. Nous en direct d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Côté, et mesdames, nous avons préparé match de demi-finale du groupe B dans le barrage intercontinental qui va le bailler trois derniers qualifiés et pour mondial ça qui va le fêter dans deux pays. Dans pays côté nous y a là avec qui c'est Nouvelle-Zélande et aussi Australie. Donc c'est ça qui fait gagner Coupe du monde de la FIFA 2023 Australie Nouvelle-Zélande. Il va le faire avec 32 pays, il y a 29 qui déjà qualifiés. Il y a 10 pays qui a cherché prend et trois dernières places qui existaient qui étaient où. Donc Haïti trouvé dans le groupe B et avec le Chili et Sénégal. Donc, bon match de demi-finale, cap joué, Chili, Chita pour finale là lui-même. Et Haïti a rencontré Sénégal pour qu'on ait qualifié qui pourrait jouer avec Chili. Ya. Et c'est ensuite après et match Chili face à vainqueur barrage pour dans les demi-finales là entre Haïti et Sénégal. Et nous pourrons qui l'autre équipe, ou bien qui équipe qui a passé dans le groupe B. Ya. On reprend, il y a trois équipes, et Chili, Sénégal. Haïti, Sénégal et Haïti a joué en sorte de demi-finale, c'est la même situation dans l'autre, de l'autre groupe. Et puis, vainqueur match Haïti-Sénégal là pour aller rencontrer et Chili et vainqueur et dernier match ça pour aller dans la Coupe du Monde. Bon, pour tout le monde qui a posé question, côté nous hier là, nous gagnons un décalage horaire par rapport à l'Amérique et par rapport à Haïti de 18 heures de temps. Ça veut dire que moi déjà dans vendredi là, déjà dans la veille match. Et match là a joué à 2h ici là, dans samedi 18. Mais en Haïti, c'est 17 février là, puis à 8h du soir. Donc, vous voulez que nous pas oublier ça. Donc, rendez-vous que nous prenons pour match là, pour nous suivre en direct. C'est tout simplement pour vendredi, nous autres, pour les gens qui sont en Haïti, yo, pendant que l'a joué demain ici là. Et qui les mêmes samedi. Donc nous, par rapport à 18h de temps d'avance que Nouvelle-Zélande gagne sur Haïti. Donc c'est comme ça situation à présenter. Je suis sûr que nous allons mettre dans le calendrier non demain et à alors souvenez le vendredi. Vendredi à 8h PM. Donc c'est l'heure pour garder Haïti face à Sénégal. Maintenant pour les joueuses et nous connaissons que Nicolas Delépine était convoqué 23 joueuses. 22 sur 23 et présentes. Donc, il y a un seul qui n'est pas là, c'est Florcy et Dalina Joseph. Il n'est pas là pour un petit problème technique. Et il était d'abord pas de cavoyage samedi qui était 11. Ensuite, dans dimanche, il y a un cyclone Gabriel qui a passé dans la zone. Tout vol qui était pour venir vers Auckland est campé.
nous même dans le groupe que nous avons hier, nous avons sorti, nous fait Haïti New York pour nous faire New York et Oakland. Eh bien, arrivé pendant en plein air et ils annoncé que ils supposé atterrir, avion supposé atterrir d'urgence parce qu'il pas qu'à arriver au Oakland et en Nouvelle-Zélande. C'est ainsi que nous avons atterri dans l'autre pays qui est lié avec Nouvelle-Zélande, du relais et Cook Island. Donc c'est là nous passons samedi, alors dimanche pour arriver lundi. Et puis lundi matin, et avion ça, et embarqué nous pour mener nous au Oakland, côté nous là. Ça c'était situation. Quatre membres dans la délégation, dont deux joueuses qui c'est Dani Etienne avec et Whitney Mathurin. Donc qu'on y a là 22 joueuses yo là, nous wè yo là et souvent les ça sous yo seulement retirer Florcy et wap comprendre. Pour moi qui t'a demandé est-ce que Whitney Mathurin là, oui il est là, Coventina là et Nerilia Mondésir là, Dani Etienne et Esther Surpris et Modeline Moril et Tabitha Claire Constant et bon par contre Milan Pierre Jérôme et gagné Bettina petit frère Nerilia Mondésir et Roselo Borgela Kitna Louis et Jennifer Limage donc Shirley Jeudi Roselo Eloisin par contre pratiquement dit tout pour nous là en tout cas il y a 22 actrices qui là et pour Haïti et pour cette demi-finale face à Sénégal et demain et à 2h 14h ici là mais la vendredi demain c'est samedi pour Nouvelle-Zélande mais pour nous-mêmes qui en Haïti et pour monde qui en Haïti yo, c'est vendredi la pire. Vendredi 8h PM en Haïti et samedi 2h PM Nouvelle-Zélande. C'est ça pour nous pas oublier parce que c'est 18 heures de temps de plus que Nouvelle-Zélande gagne sur Haïti ou les Amériques et sauver le comme ça. Nouvelle joueuse, mes amis, ça t'a mis des nouvelles joueuses. Qui est-ce que nous comme nouvelle joueuse? Et les trois gardiens aussi me déblient. Hein? Alors, c'est Kerly Teus. Et nous avons gardé là à distance. Kerly Teus, Lara Sophia Laco. Et puis, Gabriel Marie Emilien. Donc, Kerly pas nouvelle. Kerly était content. Il n'a pas sélectionné. Bon, une véritable nouvelle comme gardien, c'est tout simplement et Gabriel Marie-Emilien, Lara Sophia Lanco, qui l'a depuis l'année dernière avec nous. D'apprendre comme gardien, effectivement, et Gabriel Marie Nouvelle. Et Gauthier était là il y a un an, il était dans la première convocation. On a parlé de Noah et Olivia Gauthier. Il était là en 2022, la première convocation et d'équipe football. Ça, on a joué avec Honduras et Saint Vincent et les Grenadines. On a joué avec les Cuba. Donc Gauthier était déjà présent dans deux premiers matchs. Ça, donc elle n'est pas réellement nouvelle. Diana était là dans CONCACAF WA qui était fait au Mexique. Diana était là et donc il n'y a pas de réelle nouvelle joueuse. Et nous t'a dit dans groupe ça Modeline de là Rosalia Marcellus et Patla. Donc et puis c'est ça, nous avons des retours par exemple Dani Etienne qui était toujours dans l'équipe là et tout comme Rosine Eloisin qui ont pas de présente. Et au Mexique à Monterrey parce qu'ils ont été blessés et elles sont de retour et après ça c'est ça bon tout va bien pour nous pas arrêter net montre tout ça qu'a fait tu là et pourtant nous t'as suivi avec nous et tirage ça sous préparation sélection
nationale là, l'élection féminine là, et qui a gagné pour jouer samedi 18 février. France à Sénégal, demi-finale, Bénin Barrage intercontinentaux, qualificatif pour la Coupe du Monde du football de la FIFA, Australie-Nouvelle-Zélande 2023. 20 juillet au 20 août, compétition ça va organiser. Et Haïti, s'il passe cette étape, ça va le trouver dans le groupe D avec l'Angleterre, le Danemark et la grande Chine populaire. La République populaire de Chine, c'est trois équipes qui sont déjà là dans le groupe D, qui ont tant qualifié barrage groupe B, qui est capable Haïti, Sénégal ou Chili, même si c'est Haïti qui est lié. Pour compléter le groupe et dès ça dans la Coupe du Monde, là, comme nous disons, pour la première fois, et c'est 9e édition compétition pour le jouer, mais c'est pour la première fois la réaliser avec 32 pays. Est-ce que ce n'est pas pour la première fois aussi la fête dans deux pays? C'est fort probable, donc il faut une recherche sur ça. Je vais vous dire que j'aime bien deux pays qui organisent, ou bien qui co-organisateurs de la Coupe du Monde de football et féminin. Bon, FIFA a expérimenté déjà dans le football et masculin avec Japon-Corée et en 2002. Et pour aller en 2026 avec trois pays, et avec États-Unis, Canada, Mexique, les géants de l'Amérique du Nord. Et, mais l'Argentine a une ambition avec plusieurs pays dans la zone. Dans zone et, Amérique du Sud là tout, donc c'est d'expérience qui fait qu'il y a PC répété. Nous avons en Coupe d'Europe Hollande-Belgique tout, est-ce que c'est pas 2000, en 2000 que la France a remportée face à l'Italie? Oui, c'est ça, donc c'est d'expérience qui fait dans l'organisation avec deux pays et que on a dit confédération tant que UEFA ou la FIFA lui-même a organisé. Nous campons là. Et avec tirage ça qu'on a fait, nous pas avancer plus près parce que là dans un petit moment c'est mise en place tactique qui pourra le peaufiner pour un choix entraîneur va le faire pour joueur qui pourra le jouer et demain et dans match ça face à l'équipe du Sénégal Eh bien, non, allez. Il y a des commentaires positifs, il y a toujours des négatifs, il y a toujours des positifs. Et on prend les positifs, nous mettons de côté. Et puis, chaque négatif là, s'il l'a pour le construire, l'a prendre. S'il l'a pour le détruire, nous va vous guiver. Tout simplement. Allez, à bientôt.